Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur PES. Aujourd'hui dans cet épisode, on va-t-on jouer contre le Hertha Berlin, contre Schalke et contre peut-être le Bayern Leverkusen, c'est qu'on fait que deux matchs en PES. Donc sûrement les deux matchs que j'ai cités après assez la main. Donc le Hertha Berlin, on va voir si tout le monde est en forme, tout le monde va plutôt bien. Enfin je le dis, Mayer il est quand même très en forme. On va faire jouer Woods, parce qu'il est très en forme aussi. Fernando est très en forme aussi. Et on va le faire jouer du coup. Et on va y aller comme ça, Grigoric de ce côté-là. Pourquoi donc? Kostic devait être suspendu. Et on va mettre Grigoric sur le banc. 81 quand même, Grigoric. Dommage que je joue pas avec deux attaquants. Peut-être que je pense à jouer avec deux attaquants. On verra. Essayez au moins en 4-4-2. Allez, on va y aller comme ça. C'est vrai que sur PS, je joue jamais en 4-4-2. J'ai toujours besoin d'avoir du monde. D'avoir du monde au milieu. Peut-être sans ailier offensif, mais milieu pur. Ou alors en 4-4-2, mais avec un losange. Sans ailier. Pourquoi pas tester ça? Un losange sans ailier, mais est-ce que j'ai assez de milieu pour tester ça? Oui, bien entendu. Pas de problème. Vu que j'ai Fernando qui peut m'aider. Allez, ça sera la touche. Ça sera la touche déjà pour les joueurs de Hambourg. Une touche pas trop mal placée sur le côté. Le centre et la tête qui passe juste à côté de Wood. Pas mal joué le beau centre. Et la tête qui passe juste à côté des cages du gardien. Ça aurait pu être un but ultra précoce, ça aurait été bien. Allez. Ça va jouer en 1-2. Allez, ça c'est bien joué. Ça a failli être intercepté. On a failli perdre le ballon là aussi. On va jouer sur Dinkmeyer. Oh, dommage, c'est un peu trop long. Voilà. Gardien dans son plongeon qui nous a fauché notre petit Wood. Très très bon. Ouais. La frappe et l'ouverture du score. Voilà. On se fait punir. On défend pas très bien. Et on se fait punir par le Hertha Berlin. On prend déjà un but. Allez, il faut être un peu plus. Un peu mieux offensivement. Ah, non. Corner. J'ai peur, j'avais l'arbitre assistant en bas qui faisait rien. Oh le but! L'égalisation quasi instantanée, quelle tête! Quelle tête de Ross Barkley! Quelle tête, on l'a vu sauter! On l'a vu sauter de très très loin. Et il nous met cette belle tête, je crois que c'est son premier but à Ross Barkley. Eh bien... célébrer ce but avec le public, ouais. Très très belle tête de Ross Barkley, non? Très belle détente sur cette sur ce magnifique coup franc très très bien tiré, quelle belle tête. Vraiment parfait. Il était un beau seul. Mais quelle belle tête. Bon, ça va être intercepté. Faut pas faire ça dans le PES. Oh non! Oh non! Et il repasse devant nous 2-1. On n'a pas de chance là. Le mec aussi là. Tain, qu'est-ce qu'il branle là le type? Et ouais, là il est pas hors jeu. T'es pas loin d'être hors jeu.
Et on encaisse direct, on re-encaisse direct. Je sens que ce match va être compliqué. Oh non. Allez. Allez, Kostic. Au second poteau. Non, comment il a pu rater Villalba? C'est pas possible. C'est pas possible, il a pas pu rater ce ballon. Il a pas pu se rater ce ballon, Villalba. Il avait juste à pousser. Il avait juste à pousser la balle au fond des cages. C'était but. On n'a pas autant de réussite que nous. C'est abusé. La frappe, nous on bute sur le gardien. Nous on bute sur le gardien, non, on peut pas marquer des buts directs comme ça. Allez Barclay. On joue beaucoup sur Kostic. Ah putain, Woods quoi, merde. Non, putain. Allez, bien joué, Rudiger. Non, putain, mais Woods, quoi. Oh, non, mais y a pas faute. Y a pas faute, monsieur l'arbitre. Tu peux pas mettre un carton, quand même. N'abuse pas. N'abuse pas, parce que... N'abuse pas, parce que je joue le ballon, là. Je touche un peu le joueur, mais je joue le ballon en premier. Hein. Je touche le ballon en premier. Putain, on n'a pas de chance sur ce match. Hein. On est assez maudit là. Oh, mais non! J'ai oublié que dans PES, les tacles ils sont ultra agressifs comme ça. Je joue le ballon! Je joue le ballon! Mon tacle était beaucoup plus destiné au ballon qu'au joueur. C'est juste que le joueur il sert trop bien pour les deux. Wow! Comment ça, corner? Bah, comment ça? J'ai pas touché! Voilà, c'est vraiment. Là, on est vraiment dans un match où on va se faire voler, là. Je sens qu'on va se faire voler. Allez. On va se faire voler, ça va être très très dur de recoller. Non, mais non! Putain, les gars, quoi. Les gars qui savent pas faire des passes, quoi. Merde. Putain, quand même, quoi. Merde, les gars, quoi. Vous êtes des joueurs pro ou pas, là? Parce que là, on dirait pas. Hein. Ah, les gars qui savent pas faire des passes sans être interceptés, quoi. Putain, on a des stats égales, mais nous, on se fait un peu voler. Ils ont eu beaucoup plus de chance et de réussite que nous. Allez. Ah mais non, mais Villalba, non, ton appel il est pas bon là. Ouais, j'ai rien dit. Oh non. T'as pas le droit. Non, mais putain, mais t'as pas le droit, Villalba. T'as pas le droit, t'étais tout seul en plus là. Là t'aurais pu faire gaffe en plus parce que là les deux joueurs tu les avais dans ton champ de vue là. Oh là 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 là, quel bon dieu. Ouais mais le centre il est pas bon, il est pas bon ce centre, il est pas bon Kostic. Quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Putain, tu déconnes, Woods. Il était pas bon, Kostic, ce centre. Il était vraiment très moche, hein.
Non, mais putain, mais Kostic, quoi, aussi, là. Pourquoi le jeu, il m'a lâché Kostic? C'était lui le mieux placé, quoi. Ali, t'avais intérêt à arrêter ça, parce que ça aurait été dégueulasse, là. Allez, Villalba! Allez, Villalba! Non, putain, mais Villalba pourrait se faire rattraper par tout le monde, quoi. Oh non! Mais saute aussi, imbécile! Olmi s'est contré. Ouais, le retour est difficile. Non, mais c'est pas vrai. Trop croisé, putain, beaucoup trop croisé. Pourtant, je te l'ai pas demandé aussi croisé, mais c'est pas grave. Kostic, on va faire entrer Gregoric. Putain, Barclay est déjà mort comme ça? Ça va peut-être faire entrer Origi aussi. Mais Woods n'est pas trop trop fatigué. Non. Mais il n'est pas très efficace non plus. La faute, mais oui. Là c'est presque un péno là, monsieur l'arbitre. C'est un péno normalement là. C'est un peu non, je suis désolé. Bon, allez, limite, c'est un poil de cul pas dans la surface, quoi. Grigoric, ça tire bien, cet enfoiré. Bah, Woods, reste là, Woods aussi, tiens, reste là. Bah, directement, ouais. C'était bien tiré, en tout cas. On est en train quand même de se faire un petit peu. Je trouve qu'on se fait un petit peu arnaquer sur ce match. Hein. Non, mais putain, mais passe ton ballon! Bon, allez, les deux joueurs. Mais non, mais. Pff, les deux joueurs qui se marchent dessus, quoi. Non, mais pff, allez. Putain, ça c'est bien des animations à la con quand même. Hein. Des joueurs ils se marchent dessus quoi. C'est abusé ça. Même pas ça devrait être possible quoi. Ça c'est vraiment un truc chiant dans PS. La physique elle est vraiment trop bizarre des fois. Allez! Touche pour nous normalement! Normalement c'est touche pour nous, j'ai poussé le joueur. J'ai poussé le joueur, j'ai pas. Je l'ai même pas touché! Je l'ai même pas touché! Arrête de déconner, je l'ai même pas touché! Bon allez. De loin on n'aurait pas dit que je l'avais touché. J'ai pris un petit jaune en plus. Sans Woody va sortir. Entrée d'Origi. Mais quand même un peu. Voilà, c'est quand même assez dégueulasse. Si on en finit sur ce résultat-là, ce sera quand même un petit peu abusé. Bah. Ça serait quand même gravement abusé, Gregoric. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous tirez pas, les gars? J'ai mes joueurs à moi qui ont le ballon, mais ils tirent pas, quoi. Faut me passer intéressant de tirer, peut-être. Oh, le but. Oh, le but. On revient de partout dans le fin de match.
grâce à la passe de Divock et le but de Villalba. Villalba. Ça s'est bien joué sur le côté. La petite pichenette d'Origi pour la tête de Villalba. C'était chaud. C'était chaud. Mais on revient à deux partout. Et ce n'est que justice. Jusqu'à ce qu'on prenne un dernier but. Totalement traître et assassin dans les dernières secondes. Non, c'est pas là que j'ai demandé la passe. Tu comprendras, mon garçon, que c'est pas là. Oh, la grosse faute. Gros tacleur derrière, là. Tu as mis un carton aussi. Voilà, j'ai eu un carton. C'est normal qu'ils en aient un pour un truc comme ça. Allez, on va jouer sur le côté. Ah, Kalilovic, il est pas assez bon de la tête. Non mais non. Allez, Oldby. Oh! Ah! La grosse faute. Gros tacle. Et mon joueur reste à terre. Carton là aussi. C'est Olby. Pourquoi c'est Olby qui tire? On va la tenter direct. Parce qu'on est fou. Je pense pas que ça va passer. Non. Je sais même pas si ça m'est déjà arrivé d'en mettre des coups francs comme ça. Je suis même pas sûr que ça me soit déjà arrivé. En force, ouais, ça m'est déjà arrivé de les tirer en force comme ça et d'en mettre. En PES c'est possible, en FIFA c'est impossible. Pas assez de puissance dans les... Donc quand même s'il fait une faute. Mais match nul 2 partout, et ben c'est quand même un peu abusé. Hein. 9 tirs, 5 cadrés, on fait match nul 2 partout quoi. Alors qu'eux ils ont fait que combien? 3 tirs de cadrés. On peut dire qu'ils ont, ils ont eu beaucoup de veines quand même. Hein. Bon, on fait match nul, du coup on va... Ouais, on est pas loin de perdre notre place. Hein. Là on va faire un match extrêmement important. De nul 4 victoires, on a fait un bon mois dans tous ces matchs. On a fait un bon mois, mais... attention, match contre un adversaire direct. Parce qu'on va perdre notre place au podium. Ça. Oui, ok. C'est comme d'habitude, hein. Tu m'apprends rien, mon petit. Match de gala en fin de saison, c'est normal, quoi. Allez, le plan de jeu. Douglas, qu'est-ce que tu as, mon petit Douglas? Kostic, il est ultra en forme. Zoua, il est ultra en forme. Origi, je vais le mettre sur le banc. Carlos Manet, ultra en forme. Ailovic, pas trop. Ekdal, pas trop. Fosu-Mensa, il est chaud. Diakité, il est chaud. Grigoric, il est moyen. Ailovic, il est pas très très chaud. Au pire, on verra, on passera à deux attaquants. Tiens. On changera la compo, on passera à deux attaquants. Une paire Zoua Origi. Allez. On joue à la maison. On joue à la maison face à Schalke. C'est toujours très compliqué. C'est un adversaire direct. On sait que si on perd, eh bien on perd notre troisième place, tout simplement. Donc match à enjeu en cette presque fin de saison. Et c'est l'ouverture du score.
dès le début du match par Kostic. Philippe Kostic. Francis Kostic. François Kostic. Non, je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne connais pas son prénom. Très très bonne passe de Zoua. La petite pichenette. La spéciale PES. Parce que ça, c'est un bon style dans FIFA. Mais ça fait toujours plaisir. C'est du beau jeu. Dès la deuxième minute. Oula, oula, oula. La petite faute. Hop, on joue vite. C'est la touche pour nous. On va jouer sur Lewis. Wow. La petite le petit hop. Non, le petit nom. Le petit nom. Le petit nom. On joue derrière. Sakai. Bon, j'ai tenté la frappe comme un imbécile, mais je voulais pas tenter la frappe en fait. Je pensais pas qu'elle allait la recevoir comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bah, du coup, ils se sont mis en offensif. Bah, non, on va se mettre en défensif. Puisqu'on mène 1-0, on a l'avantage dans ce match. Allez, Kostic là-haut qui me fait un bel appel. Zoua. Ah, dommage, Zoua il s'est pas bien retourné. Allez, Sakai, Mvila. On rejoue un peu derrière. On construit le jeu. Le centre, oh, la tête de Zoua qui arrive sur le poteau. C'était bien joué ça, cette petite combinaison sur le côté là. Entre Sakai et Mané. Et le petit centre et la tête de Zoua qui vient mourir sur le poteau alors que le gardien avait les bras ouverts. Wow, l'agression sur Carlos Mané. Ça ne restera pas impuni. Je me plaindrai aux instances fédérales de l'arbitrage. La frappe de Zoua qui passe juste à côté. J'y croyais pas trop trop. J'y croyais pas trop trop. De toute façon, j'avais pas grand chose à faire. Ils sont quand même, malgré qu'ils sont en offensif, ils sont quand même très resserrés. Quand même tenter la frappe, ça aurait pu surprendre, on sait jamais, on aurait pu surprendre le gardien adverse. Dans un malentendu, on sait jamais, ça aurait pu passer. Ah, très très bonne récupération, très très, merde, très bonne série de récupération de Rose. De Rose Barclay. Allez, très très, ça c'est bien joué ça. Allez, Mané. Ah non, ça t'as pas le droit par contre. Ça, t'as pas le droit. Bien joué. Bien joué, Obi. Allez. Kostic. Kostic. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas eu le temps d'appuyer sur la touche. Il a fait son truc tout seul. Il a fait un contrôle de la poitrine, du poignet et de la tête. Allez. Corner court pour Sakai. On a vu la... dans le match précédent, la détente que pouvait avoir... ouais. Le mec il a fait un coup de tête dans le dos. Enfin un coup de tête dans l'arrière de la tête. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Allez, Mvila. Oh, ça va être intercepté. C'était très très mal joué. Ça va sortir. Heureusement pour nous.
Allez, le ballon pour Rudiger. Essayer de construire un petit peu notre jeu, de bâtir un jeu. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'essaye le 4-4-2 en losange sur PES. Mais c'est vrai que c'est. Sur PES, t'as l'impression que tu es beaucoup dépendant des ailiers en fait. J'ai l'impression que sans ailier, tu peux pas faire grand chose. Non, c'est pas là que je le vois, c'est dommage. La frappe d'Emvila, bien captée par Fourban. Le gardien, très probablement allemand. Un nom comme ça, s'il n'est pas allemand. Quoique non. Là, il y a un Fuhrmann à Toulouse. C'est un Polonais, c'est pas un Allemand. Donc, non, c'est pas là que je voulais la faire, la passe. J'apprendrai à mon petit que ce n'était pas là. Ah. Et c'est un mi-temps. C'est un mi-temps? C'est un mi-temps? C'est un mi-temps, 78% de possession. 5 tirs encadrés à la mi-temps, quoi. Heureusement qu'on a fait un cadré. Attention quand même à cette équipe. Parce que bon, pour l'instant, ça va. On tient bien, mais attention. On est à la maison devant notre public. Il nous donne un boost de morale de moins plus 10. Je plaisante, hein. Ça serait bien quand même. Enfin, ça serait bien. Ça serait normal d'ailleurs qu'il y ait des. Et là, à part faire ça, je ne sais pas quoi faire. Hein. Désolé de faire la passe à 10 comme ça, les enfants, mais. Je ne vois pas d'ouverture. C'est beau. J'ai beau zioter à gauche, à droite. Là, peut-être en bas. Mais c'est une perte de balle et ça sera surtout un corner pour nous. Allez, Sakai. Sakai au corner. Oh, dommage. Wow. On a failli faire une Aubameyang, disons. On a failli faire une Aubameyang. Bon, ça va pas, ouais. Ça m'aurait étonné que ça arrive à destination. La petite balle par-dessus. Bon, on les fait bien courir, hein, sinon, parce que au pire des cas, hein, parce que là. J'ai effectivement très très peu de solutions qui se présentent à moi. Je suis en manque total d'inspiration. Eh oui, agression. Ah, ah. Allez, ça joue un beau 1-2, sauf que ça a assez mal joué l'1-2. Est-ce qu'on le tente? Allez, on va se le tenter, on va même faire une spéciale. Une spéciale. Est-ce que j'ai Fernando? Oui, j'ai Fernando. Même si Mané est bien en forme. On va tenter un petit changement de stratagème. Et on va faire comme ça et on va faire entrer Gregoric, second attaquant. Quel est ton pied? Oui, tu vas jouer comme ça. Puis on va les mettre comme ça en fait, on va les mettre au même niveau. Est-ce qu'on fait rentrer Origi? Ouais. On va tenter, on n'a jamais tenté. Je sais que c'est pas du tout le match pour tenter, mais. Le mec, il tente des trucs, tu sais, alors qu'il est dans un match ultra important dans sa saison, dans l'histoire de sa saison.
Bon, tant pis, hein, si on finit pas 3ème, on finira 4ème, hein, j'espère. De toute façon, la saison va pas forcément se jouer sur ce match là. On va voir si on a de. Si on a plus de facilité peut-être à jouer comme ça. Oh, c'était pas trop mal joué. Gregorovic, il avait pris un petit peu. Il avait aspiré un peu les défenseurs. Et Rudy était pas assez rapide. La frappe qui est contrée, ça sera un re-corner. Allez, Sakai. Oh la tête. Oh la tête, c'était chaud. C'était chaud. Allez, Holby pour Barclay. Et bah c'est où on va faire dans le dos, il est là. Et non, c'était pas là. C'était pas là. Il aurait fallu que tu la fasses quelques centimètres plus haut. La faute. Barclay qui va prendre Barclay. Holby qui va prendre un petit carton. Il y a eu un coup de godasse dans la tête à Holby, là, je suis désolé, là, je vais prendre un carton en plus, je suis sûr pour ça. Voilà. Il est tombé tout seul, hein. Il est tombé tout seul, hein. Je ne veux absolument pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, il est tombé tout seul. Là, vous voyez, on se sent quand même un peu vide des ailiers. Voilà, j'ai l'impression que dans PES, avoir des ailiers, c'est quasiment indispensable. Je sais pas s'il y a vraiment des formations qui sont efficaces sans ailiers. Quel but ! Quel but ! D'Origi ! Sur ce beau travail de Gregorovic. Encore une fois, le petit ballon. Pourquoi il célèbre devant le gardien adverse, tu sais, le mec qui a pas honte. Gregorovic qui a aspiré toute la défense sur lui quasiment et hop là. Putain, c'est quoi ce but acrobatique d'Origi? Quel but acrobatique d'Origi? Oh là là, on n'avait jamais vu ça avant. C'est de l'inédit ça. Origi il est content. Oh là là! Quel gros tacle! Carton jaune, il est pas d'accord, le monsieur, il est pas d'accord. Une grosse faute sur Barclay. Bon, ça a été pas mal cette compo, mais parce qu'on a quand même marqué un but, donc c'est quand même bien. Mais voilà, on se sent quand même un peu. Ah, dommage. Dommage parce que là, il avait tout son temps pour. Pour faire son centre. Wow, Gregorovic violenté. Nous aussi on les violente. on se bat pour récupérer le ballon. 95e minute de jeu, monsieur l'arbitre, qui en veut de jouer un petit peu plus longtemps. La tête totalement ratée. Quelle tête totalement ratée de Gregorovic. Mais c'est pas grave, c'est la victoire 2-0 sur l'adversaire direct du jour. Du jour et du classement surtout. Un match assez maîtrisé quand même, parce qu'on n'a jamais été trop inquiété. Ben, ils n'ont pas tiré. 78% de possession de balle, quoi. Origi, homme du match. Et on gagne 2-0. Ça fait plaisir, 2-0 à la maison. Et on met une petite avance à Schalke. Ils sont à moins 2 en différence de but. Comment ils ont fait? Comment ils font pour être à moins 2?
Ouais, ils ont mis les... bah, ils étaient à 0 en fait avant de nous jouer. Ils ont cassé que 7 buts le Bayern. Ils sont bons quand même. Ils sont bons. Un boosté à 69. Ouais, génial. Génial. Ça, c'est bien qu'on ait un petit rapport pour nous dire que le mec il augmente. Allez, mais on va s'arrêter ici. Victoire sur but précoce. Ouais, on a quand même marqué un deuxième but. C'est vrai qu'on a marqué très rapidement. Et ça nous a beaucoup aidé. Puisqu'on a pu gérer facilement après la suite. Donc ça fait, c'est bien. C'est bien, ça fait plaisir. Voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure sur PES. Allez, ciao.